texte-là, il est numéroté. Tu ne t'occupes pas des numéros. Okay. Quand tu es prêt, tu commences à lire. Emmanuelle parle de la caméra à ce moment-là. Et quand elle va te dire, parce qu'elle minute aussi, quand elle va te dire d'arrêter, tu t'arrêtes. OK? Puis tu lis pas plus vite ou moins vite que d'habitude. Tu lis vraiment là, comme à l'habitude. Owen Black ne lit pas dans le bus qui le heurte. Pas plus qu'il ne sentit lui rouler dessus. Il traversait Oxford Street en courant, une pile de CD à la main. La sonnerie d'alarme dans l'oreille et, la seconde suivante, plus rien. C'est l'ennui avec le vol à l'étalage. Quand on vous surprend, vous êtes obligé de fuir à toutes jambes et vous n'avez pas le temps de vous arrêter sur le bord du trottoir pour regarder à gauche et à droite. Vous devez tenter votre chance. Howard avait tenté sa chance. Malheureusement, il avait perdu. Le bus l'avait écrasé au milieu de la nuit. Et il était là, par terre. Tout juste 15 ans et déjà mort. Il ouvrit les yeux. Ça alors, je n'y crois pas, je rêve. Il ferma les yeux, compta jusqu'à 10 et rouvrit lentement. OK. Merci beaucoup. Merci Maxime. Est-ce que tu peux demander à Véronique de nous envoyer un autre élève, s'il te plaît? Attends, je vais te le dire. Plus si l'arrêté se change après l'enfant. Bon, que là, oui, il s'est arrêté. On va juste compter combien? 41, donc. Parfait. Donc, il y en a eu 153. Je mets ici. Il y en a eu, oui, en tout, 153. Puis, il y en a eu combien correctement, c'est ça? OK. Le. Il ne l'a pas dit. Non. A. Puis, il a dit A ou il a dit dedans. Parfait. Ici, la ponctuation à l'étalage. Oui, okay. Moi, je n'avais pas noté la ponctuation, mais je l'ai noté plus loin, par contre. OK. Quand il s'est repris, oui. Chance, oui. Il y a la ponctuation, c'est ça, il n'y en avait pas. Ici, il était là, oui. Il n'y a pas eu de ponctuation, oui. Non plus. Moi, je n'avais pas noté celui-là. Ici, tu l'as noté. Oui. Parfait. Après ça, les. Oui, tout à fait. C'est tout. Donc, méprise, combien ça donne? Ça fait 1, 2. Je ne compte pas la ponctuation? Non. 2, 3. 3 méprises. Donc, le nombre de mots lus correctement? 150. 150 divisé par 153? 60. Alors, ça donne 98.0. Attention, il faut le mettre le chiffre là, mais là, c'est ça, ici, c'est vraiment tout précis. Donc, on a lu correctement. Dans le fond, on veut juste savoir combien il y a de mots par minute. OK, donc fait c'est tu peux juste reporter le chiffre, ben oui, c'est ça. Donc, 150, ils n'ont plus pensé. L'élève lit par mot de son signifiant, oui. L'élève tient compte de la ponctuation, non. Oui, mais lui, ici, c'est plus difficile, je pense. Hein? Oui, c'est plus difficile. Puis, tu sais, on pourrait se marquer un commentaire pour savoir exactement ce que c'est. Là, tu sais, je pense que. Les points. Je dis, là, il passe par-dessus. Oui. L'expression. L'expression, il y en a. C'est bien, c'est bon. Moi. Super. OK. Ouais, pas. Pas en relisant le texte, mais de ce que tu en as compris à ta manière. Est-ce que tu as des questions? Non. C'est bon. Vas-y. C'est l'histoire d'un jeune homme, Howard Day, qui s'est fait écraser par un boss. Puis quand il ouvrit les yeux, il a une grande file d'attente.
des gens âgés, des jeunes, des plus petits enfants. Et il vit un homme barbu qui s'appelait Saint-Pierre. Et il, ben, Howard essaie de lui convaincre pour toute la vérité. Et Saint-Pierre devient comme un monstre. Il change de forme, puis tu peux regarder ton texte. Ben, il devient différent. Il change ses yeux, il crache du feu. À la fin, Howard, c'est comme s'il venait à l'enfer. C'était pas le paradis. Là, Saint-Pierre avait donc menti à Howard. Je suis curieuse, peux-tu me dire pourquoi tu as mis des lignes dans tes phrases? Ah, c'est pour séparer. Séparer quoi? Séparer le texte. Je sépare. Ah, ça t'aide à... Ouais, à mieux comprendre. OK. Tu sépares les phrases? Ouais. Par groupe de mots. Puis, puis qu'est-ce que tu fais quand tu mets une barre? Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête? Tu as dit, Howard Lake est écrasé par le bus. Pourquoi il s'est fait écraser par le bus? Il n'avait pas regardé gauche à droite. Le feu qui était passé. Puis il y avait plein de CD dans la main. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces CD-là? Ce qui paraît, c'est peut-être qu'il les aurait volés. Et puis, après qu'il dit, il ouvre les yeux, il voit une file d'attente, il y a plein de vieux. Ils sont où? Ces vieux-là, puis ils sont où? Allez, où cette file d'attente-là? C'est comme dans le ciel, genre, monter, puis c'est une grande file. Mais comment il fait pour passer de la rue à la file d'attente? Il monte. Il est? Il monte, son esprit. Son esprit monte? Ouais. OK. OK. Puis, une fois qu'il est monté, dans le ciel, comme tu dis, il rencontre un homme barbu. C'est qui, cet homme-là? C'est Saint-Pierre. Son rôle, c'est quoi, à Saint-Pierre? Laisser les gens rentrer dans le paradis et ouvrir les portes. Tu dis qu'il ment un peu. Pourquoi il ment un peu? À la fin, il se fait passer pour une personne gentille, mais il est méchant. OK. Pourquoi il fait ça? Pour faire croire à Howard qui était dans le paradis. Donc ça c'est Saint-Pierre qui ment, c'est ça que tu me dis? Oui, Saint-Pierre. OK. Est-ce que Howard ment? Oui, il ment. Il ment pour rentrer. OK. Il se fait passer un peu plus respectueux, puis il raconte une autre histoire. OK. Puis tu dis que Saint-Pierre, à la fin, il devient un monstre, puis il change de forme. Ouais. Pourquoi donc? À la fin, Saint-Pierre, quand il est changé, il dit que lui n'était pas dans le paradis, mais il est seulement dans l'enfer. OK. C'était pas facile, il me semble. Mais il a bien compris, par exemple. Oui. Tu vois, c'est pas clair au début que le petit est allé dans un magasin, il a volé, ça, c'est il a traversé. Pas ça, c'est pas clair, tu sais. Il y a moi-même qui est mort, c'est la seule chose qui est pas claire, je trouve. C'est pas clair, il a peut-être volé. C'est marqué qu'il a volé. À ce qu'il paraît, Howard Blake pourrait avoir volé. Oui, moi aussi, j'ai essayé. Il s'est écrasé de bus, il a volé. Il les a volés, les CD. Non, puis j'ai demandé après comment ça se fait qu'il s'est écrasé, puis il dit. Parce qu'il n'a pas regardé à gauche. C'est ça la cause à effet, là, on dirait que c'est fuite. La fuite, elle est absente de son. Le fait que Howard soit dans l'urgence de traverser pour pouvoir s'éloigner, ça c'est pas là. Oui. Et le reste, c'est quand même c'est pas bon. Si mal. Ouais. Moi, je trouve ça bon. C'est je pense que c'est le premier qui dit que Howard, finalement, il joue un tour, tu sais, il ment.
que Saint-Pierre ment à l'autre. Oui, ça, c'est le premier coup. Ça, c'est fort. Ça, c'est, ça veut dire qu'il comprend la fin, puis là, il est capable à rebours de dire hey, finalement, il avait niaisé quand il l'a fait rentrer. Ça, moi, c'est bon. Je trouve que c'est le premier élève qui, en à peu près 8 phrases, a résumé toute l'histoire. Oui, bien. Comme s'il faisait un schéma narratif. Oui. Telle affaire, oui. Dans l'ordre. Oui. Mais c'est juste le début qui n'est pas clair. C'est ça. Mais le reste, moi, je l'ai trouvé vraiment pas prêt. Moi, je pense à la question ouverte.